Thank you.
lisant le psaume chapitre 39. Psaume au chapitre 39. En lisant la parole du Seigneur. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant serait devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse et il essaie qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi qu'est mon espérance? Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je suis muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne-moi tes coups. Je suis comme sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Amen. Conduis-moi, Seigneur. Ô Jésus, conduis-moi. Amen. Conduis-moi, Seigneur. Ô Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Or nous avons trouvé grâce devant ta face, par être de ceux-là qui peuvent aussi entendre ta voix, de ceux-là qui peuvent aussi reconnaître que c'est toi qui les appelle par leur nom au sauveur et qui les conduit aussi à l'extérieur auprès de mes pères. Oh Dieu, pour qu'ils soient réellement tes brebis à toi, que tu sois le bon berger, mon sauveur. Tu es vraiment digne d'être aimé encore ce soir, d'être glorifié encore de tout notre cœur. Oh Seigneur, notre Dieu, notre âme ici a vraiment besoin de toi. Seigneur, ce cœur a besoin réellement de voir te recevoir encore davantage, Père. Que tu puisses encore prendre réellement ta place, mon sauveur. Être réellement le seul qui conduit encore la vie. Là, mon bénéfice, oh Dieu, c'est lui qui occupe encore nos pensées, notre être tout entier, mon sauveur. Oui, tu en as le droit, mon bénéfice, Saint. Que ton nom soit exalté encore aujourd'hui. Qu'il soit béni encore, notre Dieu, parce que nous sommes heureux de pouvoir être là dans ces lieux, Père. Et tu as dit que là où Dieu trois sont rassemblés en mon nom au milieu d'eux. Réalisons que toi tu es au milieu de nous encore ce soir, parce que c'est en ton nom à toi que nous aimons, que nous respectons, Père. Au Dieu, c'est parce que nous sommes rassemblés en ces lieux, Père. Nous avons chanté ton nom à toi, mon béni, mes personnes. Nos cœurs n'ont aimé que ton nom à toi, Père. C'est pourquoi nous avons la confiance et l'assurance, mon Seigneur, que tu es là, tu nous as pardonné aussi nos iniquités, mon béni, mes frères. Nous
t'accorder aussi la grâce d'avoir un cœur libre devant toi, un cœur aussi nettoyé, purifié, sanctifié, Père, afin que tu puisses encore prendre le contrôle, Père, parce que chaque jour nous voulons avancer avec toi, mon bien-aimé Père Saint. Comme nous l'avons entendu aux élections, mon bien-aimé Père Saint, certainement c'est vrai, Seigneur, devant les méchants, nous voulons voir la bouche, mon bien-aimé Seigneur, nous voulons rester mieux, mon bien-aimé Père Saint, et c'est la plus longue dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint, pour vouloir parler, mais trop pas qu'on puisse parler, Père, soutiens-nous, mon maître béni, Père Dieu, nous avons vraiment besoin de toi, Père, nous voulons pas nous défendre nous-mêmes, mon bien-aimé Père Saint, tu es réellement notre défenseur, notre bouclier, Père, apprends-nous à compter véritablement sur toi, Père, et le moment difficile, mon bien-aimé, nous voulons compter sur ta grâce, ton secours, ton soutien. Puissions encore nous aider encore aujourd'hui. Béni sois-tu encore pour les chanter cantiques, mon roi. Qui sont montés les mains, ton tour de grâce, au maître béni Père. Pour le cœur qui t'a chanté aussi aujourd'hui, mon béni, mon Père, oh Dieu. Pour l'âme qui a reçu encore dans ta présence, mon béni, mon Père, tout puissant. Oui, chaque jour dans ta présence, fais bonheur, mon béni, mon Père. Louange et haute mère à toi encore aujourd'hui, mon sauveur. Oui, c'est vrai, Père. Nous sommes heureux pour pouvoir nous lasser de toi, Père Saint. Que ton nom soit béni encore ce soir. Pour ta bonté, mon béni, mon Père, tout puissant. Pour ton amour et ta main puissante, oh Dieu, nous a réellement guéri et fortifié, mon bien-aimé Père Dieu, pour penser les blessures et les plaies, mon bien-aimé Père puissant, et accorder aussi la paix, mon bien-aimé Père Saint. Merci pour nos enfants que tu as aussi gardés et protégés. Guéris encore, mon bien-aimé Père puissant. Louange et honneur à toi pour mes frères et sœurs, mon bien-aimé Père Saint, qui étaient partis, qui sont aussi ramenés, Père puissant. Béni sois-tu notre Dieu pour ta main puissante, pour moi, qui garde les dépenses et la vie, mon bien-aimé Seigneur. Nous te remercions encore pour tout, mon bien-aimé Père Saint. Que ton nom soit béni encore ce soir. Nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs, Père, qui sont au loin, qui sont aussi en connexion ce soir, qui sont aussi bénis, au bénémoine Père Saint. Que ta main soit aussi avec eux, mon sauveur. Nous rendons gloire à ton Seigneur, parce que nous sommes heureux, Père, de te la rassembler en ces lieux, Père, pour te louer, pour t'écouter aussi, Père Saint, et ta louer de tout notre cœur. Louange et honneur à toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour bien que ça soit. C'est vrai, nous remercions notre Dieu de tout notre cœur, parce que comme nous le disions, pour le souffle de vie qui nous accorde la grâce d'être vraiment parmi les vivants, parce que les jours aussi qui passent aussi emportent aussi quelques-uns de ceux-là aussi que nous connaissons, que nous aimons aussi. C'est ainsi que nous avons reçu la mauvaise nouvelle de pasteur Bolas qui est rentré à la maison, il est rentré hier à la maison. Et sa famille et toute son assemblée aussi se trouvent dans une situation difficile. Mais nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment consoler la sœur ainsi que les enfants, Amen. Et ainsi que toute l'assemblée entière. Et cet après-midi, j'ai eu aussi des frères qui sont là-bas et qui m'ont appelé pour me tenir informé aussi de la situation, comment les choses se sont passées. Mais nous rendons gloire à notre Dieu. Parce que c'est lui qui donne et c'est celui qui répond. Amen. Et au temps déterminé de Dieu, nos jours sur la terre sont comptés. Mm. Nous devons être conscients de cela, que nous nous préparons de pouvoir rentrer un jour. Un jour, nous rentrerons à la maison. Et nous prions pour que le Seigneur puisse vraiment consoler cette famille. Nous allons prier le Seigneur et lui implorer aussi cette grâce. Notre Père, notre Dieu, c'est vraiment très touchant et les cœurs et aussi attristé, mon bénémoine Père Saint. C'est un frère que je connais bien, je vous aime beaucoup aussi, mon bénémoine Père. Aujourd'hui, il est rentré à la maison, Père. Seigneur, sa famille est restée dans une profonde tristesse et sur la santé aussi de même, aussi, Père Saint. Nous prions pour que nous puissions assister chacun d'eux, nous sauvons les enfants, la sœur aussi, la maison, les frères et sœurs. Que tu le fortifies dans un moment comme celui-ci aussi. C'est un moment que nous aussi nous laissons pour que nous puissions savoir que notre vie sur la terre n'est que comme nous. Oh Dieu, la vie d'une fleur, une plante, que je ne pas te dissimuler aujourd'hui. S'élève qui demain aussi les choses de sans voir, mon cheval. Pour que tu nous rappelles cette grâce que nous soutiens-le, soutiens la famille aussi, mon sauveur. Merci parce que tu donnes et tu reprends aussi ta sœur. Viens-toi, parce que nous faisons la vie. Il a besoin de toi, mon Seigneur, tu es avec nous encore aussi, mon Père. Aussi, agir aussi, pour de là qu'il faudra aussi, si c'est possible aussi pour nous, Père. Pour Dieu, que nous puissions aussi la santé, la consolation aussi, que ton nom soit béni, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul consolateur. Il puisse vraiment apporter la consolation à la famille.
Et c'est donc, nous savons que ce n'est qu'une séparation temporaire, puisque nous savons que nos frères et sœurs qui croient de tout leur cœur la parole du Seigneur, c'est cela aussi pourquoi nous prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de réaliser pourquoi c'est si important pour nous d'être rassurés, très sûrs et certains, alors que nous avons encore le souffle de vie de ce que nous possédons. Parce que si nous continuons à avancer dans l'aventure et avec négligence, lorsque ce jour-là viendra et cela frappera à la porte, effectivement, on ne sait pas, on ne saura plus très bien comment changer les choses, mais il faut déjà de maintenant que les choses puissent être changées. Que le Seigneur nous aide. J'aime beaucoup cet homme de Dieu, cet homme de Dieu Moïse, qui dit « Enseigne-nous à compter nos jours. » Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse divine de Dieu. Devons réaliser que l'homme a un temps déterminé sur la terre et qu'un jour, comme le Seigneur l'a dit, tu retourneras à la poussière puisque tu es tiré de la poussière. Nous voulons réaliser que avant que le cordon soit coupé, nous voulons être sûrs et certains de là où nous serons. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur. Ce que nous avons encore de temps comme ceci où nous pouvons nous rassembler et nous pouvons prendre au sérieux. C'est vrai, beaucoup de gens prennent à la légère le temps où nous pouvons nous consacrer. Bien qu'on les entend, on entend la parole de Dieu et ceci et cela. Chacun juge effectivement à sa façon les choses comme il les entend et il les apprécie, pensant que Dieu est son copain. On fait de Dieu son copain, c'est-à-dire que c'est lui qu'on peut faire comprendre tout ce que l'on veut d'une certaine manière ou d'une autre et le faire admettre effectivement notre façon à nous de pouvoir voir les choses. Mais nous nous supplions les Seigneurs pour que nous ne soyons pas de ceux-là. Nous soyons de ceux-là qui lui implorent la grâce et c'est que lui se fasse connaître à nous et qu'il nous montre effectivement de quelle manière et que chaque jour nous avançons dans l'humilité et surtout dans la supplication en s'accrochant davantage à lui pour que nous puissions vraiment être dans la position dans laquelle il veut que nous soyons. Nous allons nous lever pour prendre une portion de l'Écriture dans le livre de Matthieu au chapitre 3. Matthieu, je pense que c'est ça. Matthieu au chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Et lui, c'est verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, or, nous avons Abraham pour père. Alors, je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Amen. Nous voulons te dire encore merci, Maître béni, parce que nous avons cette grâce de nous tenir vraiment. Tu es le Dieu qui nous éclaire, tu es le Dieu qui nous parle encore, le Dieu qui nous tient par sa main, Seigneur, afin de ne pas se perdre sur ce chemin que tu as tracé, Père. Or, nous ne voulons pas chercher un autre chemin, Seigneur, nous voulons être conduits dans ce chemin à trois, resserrés, Seigneur, c'est vrai. Oh Dieu, nous voulons vraiment y rester malgré les difficultés, parce que nous savons que c'est le chemin qui mène vraiment à la vie, Père. Donne-nous la grâce de pouvoir t'aider. Ceux-là qui sont persévérants, mon bénémoine Père Saint. Merci encore pour tout ce que nous avons pu avoir la grâce de voir prendre part aussi ce soir au travers des chants, des cantiques et des psaumes, Père, et dans lesquels nos cœurs et nos âmes se sont levés vers toi. Merci pour nos frères. Merci encore pour nos soeurs, Père. Nous nous réjouissons de ta grande bonté. Et ce soir encore, puissions encore daigner nous parler et nous aider encore. Nous t'avons aussi prié ainsi au nom de Saint-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de voir notre sœur Esther qui était partie et qui est revenue parmi nous. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous sommes dans la joie. Amen.
parce que les baracas nous ont donné. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Nous remercions notre Dieu, ce qui nous accorde encore cette grâce de te rassembler encore ensemble. Mm. Et nous nous aimons tous les uns les autres. Amen. Et chacun de nous est important aussi. Amen. Et comme nous venons de pouvoir le délire dans les Saintes Écritures, nous réalisons que c'est cet homme ici, Jean-Baptiste, c'est sa manière de pouvoir poser le regard et aussi exprimer les choses qui est touchant et aussi poignant, parce qu'il regarde les gens qui venaient pendant qu'il était en train de pouvoir prêcher et aussi baptiser, effectivement, comme nous l'avons entendu en maître prise aussi, cette écriture et le livre de Jean au chapitre 1 aussi. Et voilà qu'il expliquait, il disait effectivement ce qu'il en était. Puis, ces gens qui venaient, oh, et ils pouvaient être dans un certain enthousiasme, effectivement, en voyant ces gens qui venaient pour écouter et surtout qui acceptaient aussi de se faire baptiser. Mais là, il a une réaction tout à fait bizarre, en fait, que les communs des hommes, quand il peut regarder cela, il dit, mais c'est quand même pas normal qu'il puisse arriver à pouvoir parler ainsi quand même aux gens qui viennent. Il doit quand même avoir un peu une certaine éducation aussi. Quelqu'un qui a entendu et qui vient pour se faire baptiser, il parle comme s'il les agressait, comme s'il les poussait encore dans... C'est pas possible. Vous savez, l'Esprit du Seigneur, quand il conduit un homme, c'est tout à fait différent. Amen. Il n'est pas pareil, en fait, avec l'esprit humain. Amen. C'est pourquoi un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit les saisit, en fait, il y a une part de choses qui s'est fait, en fait. Et ça, le commun de mortel ne comprend pas. C'est-à-dire que l'humain a l'esprit humain qui le fait agir comme humain, qui le fait penser comme humain. Mais quand l'esprit du Seigneur vient dans la personne, effectivement, la partie humaine s'arrête. En fait. La fonction de pouvoir penser comme l'humain s'arrête. Parce que quand, si les deux fonctionnent ensemble, il y aura un conflit. Donc, à un certain moment, l'homme devient. C'est pour ça qu'on parle de l'homme spirituel, qui est différent de l'homme naturel, effectivement. Alors, effectivement, quand c'est l'esprit, l'homme le conduit et il pose des actes et il dit des choses, effectivement, que humainement parlant, il ne pouvait pas les dire. Je crois que nous l'avons entendu effectivement aussi un temps ici, lorsque nous parlions effectivement, quand je pense que c'était Esaïe, qui pouvait dire effectivement, et voici la Vierge concevra. Vous vous souvenez, non? Amen. Bon, en fait, un homme normal, si l'intellect fonctionnait, il n'aurait pas pu les dire. Donc effectivement, donc, à un certain moment, c'est-à-dire que l'esprit retient la personne, il prend le contrôle et il s'exprime et il dit la personne comme il veut, effectivement. Et cela qui s'est passé effectivement ici. Quand humainement parlait, on pouvait regarder, effectivement, mais quand l'homme réfléchit bien, il ne pouvait pas dire ça. Il dit, mais, il voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens pouvaient être heureux. Et puis, il leur dit, race de vipères. Donc, c'est déjà, comme on dirait, entre parenthèses, il dit, mais c'est une insulte. Donc, moi, je viens en tant que frère qui a écouté la parole, évidemment, et je crois, je dis, c'est moi, j'ai cru, je veux être baptisé, et tu m'appelles, moi, race de vipères, c'est-à-dire fils de Satan. Ah oui, c'est vrai, parce que, t'as fille du serpent, vous comprenez, donc, la sémence du malin. Amen. Donc, c'est clairement dit, et cela que nous comprenons et que nous voyons combat Dieu vraiment. C'est pour ça, l'Esprit du Seigneur est très important pour les croyants et pour chaque véritable fils de Dieu. Parce que quand le Seigneur lui-même vient et qu'il regarde les Sadducéens, les pharisiens, vous savez comment il leur a parlé? Mais c'est extraordinaire. Lisez la brochure que nous aurons à pouvoir imprimer, que Dieu nous aide à pouvoir le faire. Regardez bien. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur, pour cela que tu t'occupes de ça. Chapitre 23, je pense chapitre 22 de Matthieu, par exemple. Matthieu 22 ou 23, je pense que c'est cela. Je suppose que c'est 22 ou 23. Parce que vous avez remarqué ici, hein, il dit, il a chapitre 3, verset 7, il dit, race des vipères, sadducéens, pharisiens. Vous vous souvenez? Donc ça, c'est Jean-Baptiste et les Seigneurs n'étaient même pas encore entrés en scène. Vous vous souvenez? Bon, maintenant, regardez les Seigneurs entrés en scène dans Matthieu au chapitre 23, je pense que c'est cela. Oui, il dit ici, oh, je crois que vous êtes... chapitre 23, verset 27, vous lirez. Je lis quelques petites parties seulement. Dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous dévorez les maisons de veuves, ainsi de suite. Et puis il continue encore ici. Et ça va te dire, mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et des cumis, mais que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là qu'il fallait pratiquer cette autre victime. Dis malheur à vous, faisiez ce qui est parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du dedans et du plat, alors qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance, effectivement. Pharisiens, aveugles, ainsi, ainsi. Donc, si vous lisez, vous voyez comment le Seigneur, lui, catégorise, effectivement, et comment il leur parlait, effectivement, il dit, mais quand même, c'est pas possible. Ces gens ici, tu ne peux pas leur parler comme cela. Donc, on voit que la même manière que, ici, Jean-Baptiste a parlé, c'est la même manière que le Seigneur a eu à pouvoir, effectivement, aussi s'adresser, effectivement, à ces pharisiens, et aussi aux Sadducéens, en réalité aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agissait de l'esprit. Quand je parle de l'esprit, je parle maintenant de l'esprit qui était dans ces hommes-là. Pourquoi il dit, vous avez remarqué, quand vous avez le temps de lire, il parle effectivement hypocrite, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vous donnent l'impression qu'ils sont justes. Parce que quand ils sont venus ici devant Jean, ils venaient semblant venir être humains. Parce que c'est pas Jean qui dit, ce n'était pas Jean, c'était l'esprit qui a vraiment démontré. Il dit, mais en fait, vous êtes la race du Père, vous venez effectivement avec la forme comme quoi que vous êtes touché par la chose. Parce que les gens pouvaient dire, mais c'est pas normal. Regardez ce que continue. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et quel accueil? C'était un accueil musclé, en fait. Vous vous rendez compte, on dirait, mais cet homme, c'est pas un serviteur de Dieu, quand même. C'est pas possible. Il a un langage tellement châtré, c'est pas normal. Il parle comme ça, il parle des gens, mais il est un peu d'abord, race et vipère. Et puis il dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, mais produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10, il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est merveilleux de pouvoir entendre cela, mon frère et ma soeur. Il dit clairement que la cognée, déjà, la cognée est mise à la racine de tout arbre. Alors quand nous on peut entendre une telle parole, effectivement, ça doit nous faire bouger à l'intérieur, mon frère et ma soeur. Entendre que la cognée est mise à la racine de tout arbre. Quand on parle effectivement de la cognée, vous savez ce que c'est la cognée, non? C'est en fait la hache, non? Comment vous savez? Alors quand on parle effectivement qu'elle est mise effectivement à la racine de tout arbre, c'est pourquoi en fait? Si on l'amène effectivement à la hache, on a la hache effectivement, c'est pourquoi? La hache sert pas à pouvoir tailler quand même. C'est pas vrai? Amen. Donc, la hache, effectivement, qu'on tient à la main, c'est un jugement qu'on vient exécuter. Est-ce que vous comprenez? Ou soit j'abats, ou soit je laisse. C'est ça, non? Donc, parce qu'il dit ici, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Donc, là, on attend, effectivement, donc, elle est là, la cognée. On n'a pas dit qu'elle a commencé à couper, mais elle est là. Elle est déjà mise, effectivement. Donc, on la tient, effectivement, à la position qu'on va maintenant frapper. Regardez ce qui est extraordinaire. Il dit, comme il dit, mais tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est extraordinaire. Amen. Voyez-vous, je lisais cette écriture quand j'étais donc dans mon bureau, parce qu'il m'a conduit à pouvoir lire. J'ai lu l'écriture et puis je priais, puis je priais, je lis, et puis j'ai pris ma Bible, je suis venu avec. Et j'étais assis là. Et j'ai ouvert pendant que mon frère était en train de pouvoir me conduire les choses et les cantiques. Et je lisais, puis je regarde, j'ai dit, bon, et puis, le Seigneur me dit, relis encore. Je relis l'écriture. Il dit, est-ce que tu viens de lire là? Tu as bien lu? Je disais, relis encore. Et l'écriture. J'ai dit, mon sauveur, il y a quelque chose qui ne colle pas. Je vous dis ça pour ça. Je l'ai dit là. Il dit, est-ce que ce que tu vois bien, lis d'abord ce qui est écrit. J'ai dit bien, j'ai dit, c'est écrit, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez bien, c'est écrit là, non? Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, les bons fruits sont pluriels, non? Sera donc coupé et jeté au feu. Alors, j'ai dit,
dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne colle pas quelque part. Vous m'avez vu mettre debout ici, sortir. Amen. Hein? Puis je suis revenu. J'avais quelque chose en main. Dieu est grand. Vous savez, l'auteur de la parole de Dieu, de sa parole, il veille sur sa parole. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir voir que quand une parole est placée et donnée, effectivement, elle doit vraiment s'imbriquer dans tous les contextes, effectivement, dans chaque partie de toute la Bible, effectivement, pour que l'image soit donnée. Amen. Quand quelque chose coince quelque part et que ça ne s'embrique pas, il ne faut pas l'apprendre. Et vous avez raconté ici l'autre fois, vous disant, quand je lisais dans le livre, je pense, c'était Job, je pense. Vous vous souvenez quand même? Amen. Dans Job, c'était 13, vous vous souvenez, non? Quand je lisais, effectivement, puis il me dit, mais ce que tu viens de lire est conforme. Pourtant, c'est écrit dans la Bible, non? C'était pas conforme, parce que c'était mal écrit. Et la même chose, quand j'ai dit ceci, il dit, mais Seigneur, ça, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et oui. Voyez-vous, il est parlé, effectivement, il dit tout arbre, effectivement, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et quand on regarde dans les Saintes Écritures, vous remarquerez très bien de la manière où le Seigneur, notre Dieu, dit, je pense, dans le livre du chapitre Matthieu 12, regardez bien, pour que vous compreniez aussi Matthieu, chapitre 12. Dieu est bon, mon frère. Ici, au chapitre 12, verset. On dit, même à partir du verset 31. C'est pourquoi je vous dis que tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Par ses vipères. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses à vos enfants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras donc justifié, et par tes paroles tu seras donc condamné. Donc là, on voit clairement, effectivement, comment le Seigneur, vous allez voir, il illustre effectivement les choses d'une manière, effectivement, claire. Parce que, depuis les temps anciens, effectivement, dans la Genèse, il dit, mais, que chaque semence doit produire selon son espèce. Amen. C'est-à-dire, où l'arbre est mauvais, alors le fruit est mauvais aussi. Où l'arbre, il est bon, alors le fruit est bon. Et puis, il dit, effectivement, que les hommes rendront compte, effectivement, de toute parole qui doit réellement aussi proférer ainsi de suite. Alors regardez comment les choses sont placées. Et puis pendant que je regardais, parce que les Écritures s'ouvraient effectivement, je me dis, mais Seigneur, il y a quand même un petit souci quelque part. Parce que là, ici, chapitre 3, verset 10, ici, on nous parle de fruits au pluriel. C'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Regardez bien. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est pas conforme. Qu'est-ce qui n'est pas conforme? Ce qui n'est pas conforme ici, c'est le fruit au pluriel. Vous savez que quand on parle de l'arbre, effectivement, quand on va dans Osée, on a fait référence à Israël. Et puis quand on parle plus d'un certain écriture, effectivement, quand on. Vous savez, quand l'homme, effectivement, le Seigneur a eu à pouvoir le mettre, effectivement, de la bouche ou les yeux pour qu'il puisse voir, effectivement, il ne voit pas tellement très bien, il dit, mais je vois les hommes comme. Il voit les hommes comme qui? Comme des arbres. Donc en fait, on fait référence, effectivement, à l'homme. N'est-ce pas vrai? Ah, vous me regardez, dit, mais frère, qu'est-ce que tu vas encore nous dire aujourd'hui? Je t'ai assis là, frère. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne vais pas vous retenir ce soir, on va prier beaucoup. Regardez. Parce que, pour que vous puissiez voir que les saintes écritures sont tellement si importantes. Et quand la parole de Dieu dit quelque chose, il y a toujours une continuité, et puis il y a un contexte, et puis
ça enveloppe effectivement la pensée de Dieu. Et dans l'ensemble, effectivement, dans la manière dont Dieu agit, ils vont comprendre et voir les choses. Les saintes écritures disent, parce qu'il est bien pour que nous puissions comprendre qu'il s'agit de l'homme, n'est-ce pas vrai? Hein, n'est-ce pas? Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, si on a dit au pluriel, non, sera coupé, jeté au feu. J'ai dit, il y a un problème quelque part. Et quand on parle de l'arbre, effectivement, on se réfère à l'homme, n'est-ce pas vrai? Amen. Oui, mon frère. Prenons dans le psaume au chapitre 1. Psaume au chapitre 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. C'est l'homme, non? Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie, et qui ne s'assied pas sous la voie, et qui ne s'arrête pas sous la voie de méchants, de pécheurs, pardon, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la mérite jour et nuit, il est quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne quoi? Ses fruits ou son fruit? Il donne son fruit à sa saison. Est-ce que vous suivez? Alors regardez, pendant que j'étais assis là-bas, il dit, c'est pas conforme, ça, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, je dois venir. Je prends le livre en anglais. Je sors, je vais prendre. Et puis, il me fait penser à quelque chose. Il y a des années de cela, les Juifs, parce que j'étais en contact avec les Juifs, je crois qu'on appelle messianiques, et ils m'envoyaient en fait des livres. Alors, ils m'avaient envoyé en fait une Bible, parce que j'aimais bien en fait. C'était l'évangile de Matthieu, mais en hébreu. Donc, on est resté avec l'hébreu, ça c'est l'hébreu, et puis on traduit l'hébreu effectivement, comme l'hébreu dit. Vous comprenez ça? Ah, ils sont restés en fait dans le principe de cela. Regardez, c'est cela que je suis allé, je me suis dit, regardez bien, c'est la bonne nouvelle selon ma taille. Vous voyez comment c'est écrit ici, non? Ah, vous ne voyez pas très bien. C'est écrit en hébreu. Bah, vous le faire. Alors, je prends ici, donc je prends, dans Matthieu chapitre. Parce que là, ils ont même laissé le nom des. Et quand on parle même des traducés, vous pouvez connaître les noms en hébreu, hein, de ce qu'on a traduit en français. Et même quand on parle de Jésus, c'est Yeshua. Hein, dans le nom exact, vous pouvez le lire tout à l'heure si vous voulez bien juste lire et puis vous voir. Alors, nous prenons au chapitre 3 de Matthieu que nous avons lu, hein, et nous allons au verset 10. Tu viens. Peut-être que quand je peux lire, on va penser que je suis en train. Viens avec ta Bible aussi. Ta Bible, la tienne. Ça, on peut aussi voir quand tu lis. Puisque... Alors, quand tu lis chapitre 10, chapitre 3, verset 10, qu'est-ce que tu vois? Tu peux lire, bien lire chapitre 10, verset 10. Donc, ici, attends, tu vas lire un peu là. Tout arbre. Tout arbre, donc, mm-hmm. qui ne produit pas de bons fruits. Les bons, c'est encore au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Et les fruits, n'est-ce pas vrai? Bon, alors ici, tu vas nous lire aussi, c'est bien, c'est l'évangile, la bonne nouvelle selon Matthieu, hein? Hein? C'est selon Matthieu, hein? Tu vois bien, hein? C'est quoi, c'est ça, hein? Voilà, c'est l'évangile Yeshua, vous connaissez, non? Ok, chapitre 3, et le verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Tu veux bien lire ce qui est écrit? Et bon, c'est bon, B-O-N. Et puis? Fruit, F-R-U-I-T. Merci. C'est singulier. Donc, c'est bien au singulier et non pas au pluriel. Ça fait une très grande différence, mon frère. Le fruit au pluriel, bon fruit au pluriel, et le fruit au singulier. Qu'est-ce que... Frère, parce que si ces choses ne sont pas bien saisies, mais tout est embrouillé en fait dans les saintes écritures. Parce que quand, vous savez, quand Dieu parle de quelque chose, il faut que nous puissions avoir la pensée de Dieu au sujet de la chose qui est pas. Quand il parle de fruits, on doit se poser la question, mais en fait, quel est donc le fruit qui est requis effectivement ici quand on parle que tout arbre ne produit pas de bons fruits? Il s'agit de quoi? Galates au chapitre 7. Galates
Galates chapitre 5, verset 22. Vous dites, qu'est-ce que l'Écriture dit? Vous y êtes? Galates 5, verset 22. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Mais les fruits au pluriel? Non, mon frère. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous entendez? Amen. C'est pas les fruits. Non, le fruit. Amen. Le fruit. Donc, ce que le Saint-Esprit produit. Amen. C'est qu'il sort effectivement quand l'Esprit du Seigneur est dans l'homme. Il est là, le fruit se manifeste. Amen. Parce que l'homme est un arbre. Alors là, mon frère et ma soeur, c'est là que la parole de Dieu parle effectivement de la sémence. Chaque sémence produira selon son espèce. Alors maintenant, on comprend maintenant qu'est-ce que c'est que la sémence en réalité. La sémence, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Nous avons la justification. La sanctification et le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Amen. Dans la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, non? Amen. Dieu n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Dans la sanctification aussi, c'est le nettoyage. Le Seigneur n'est pas là. C'est dans le baptême du Saint-Esprit que Dieu descend dans le temple. Qui descend? Qui est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et qui est Jésus-Christ? C'est la parole de Dieu manifestée dans ma chair. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, tabernacle dans l'homme. Amen. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Donc, si cela est vraiment dans l'homme, voilà. Voilà ce que nous devons prêter attention et comprendre. Vous savez, l'Écriture nous dit une chose. Quand nous avons lu avec vous dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Apocalypse au chapitre... Vous avez entendu l'Écriture, qu'est-ce qu'il dit? Heureux l'homme! Nous allons le lire avec vous. Regardez bien. Psaume, chapitre 3, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. » Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu nous aide. Il dit « Qui ne marche pas selon le conseil de méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur. » Il y a quelque chose qui s'est passé avec cet homme-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Amen. Oui, monsieur. Et puis il dit, mais, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Très, nous l'avons entendu. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras donc condamné. C'est ce qui sort de ta bouche. Amen. L'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est ce que tu es, comme il a dit, hein. Si cet arbre il est mauvais, le fruit aussi est mauvais. Amen. Si l'arbre il est bon, le fruit est bon. Amen. Ah oui, c'est vrai. Mais regardez, il dit bien, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près de l'eau, qui donne son fruit, pas ses fruits. Hein. Vous avez compris maintenant? Amen. Il donne son fruit en sa saison. Vous savez pourquoi on parle de fruit en sa saison? Vous savez pourquoi? Regardez très bien, je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Votre attention. Vous connaissez tous un pommier quand même. N'est-ce pas?
Si vous allez devant un pommier maintenant, est-ce que vous pouvez avoir des pommes? Non. Vous ne pouvez pas avoir des pommes parce que cette période ici, la sève des pommiers est descendue en fait. Quand est-ce que le pommier va donner effectivement ses fruits? C'est bien qu'après l'hiver, vous entrez maintenant des périodes, maintenant des printemps, et puis l'été, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Donc à ce moment-là, la terre commence à pouvoir maintenant se réchauffer, la sève commence à monter effectivement, et puis le fruit qui commence effectivement, et puis bah, on commence à bourgeonner ainsi de suite, effectivement, vers septembre, tous les fruits commencent à voir pousser ainsi de suite. Okay? Il y a une période, effectivement, et c'est la période, effectivement, où tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir produire la chose sont là. Est-ce que vous suivez? Amen. Bon, je vais vous ramener à quelque chose que vous puissiez voir. Au temps de Luther, avant que Luther n'entre en scène, qu'est-ce qu'il y avait? C'était l'Église catholique. N'est-ce pas vrai? Tout était mort. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu ait pitié de nous. Tu étais mort, évidemment. C'était des dogmes, des credos, ainsi de suite. Et Dieu a fait en sorte que la lumière s'allume par Luther. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les justes vivront par la foi. Ça fait quoi? Ça fait un réveil, une révolution, effectivement, dans la marche, effectivement, de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Les âmes se sont levées, ils ont été libérés. Ils ont manifesté qu'ils avaient la foi. Amen. C'était le temps de la justification. N'est-ce pas vrai? Amen. Et puis, passé justification, effectivement, on arrive au temps de la sanctification. Qui donne son fruit en sa saison, n'est-ce pas? Amen. Oh oui, monsieur. Oh oui, madame. Et après la sanctification, ben, on nous introduit dans quoi? Dans le baptême du Saint-Esprit. Donc, effectivement, l'arbre manifeste que là, quand c'est la saison pour moi, un pommier, je dois donner des pommes. Parce que tout est réuni pour que le pommier donne effectivement du fruit. Et moi, dans mon jardin, j'ai un pommier. Un an, pas de pommes. Deux ans, pas de pommes. Je dois quoi? L'enfumer tout le temps. Il y a un problème. Ah si, il occupe une place simplement inutilement. Qu'est-ce que je fais? Mais j'arrache. Je dois chercher un autre pommier qui donne le fruit pour le planter et en prendre soin. Ah oui, mon frère. Regardez ce qui est extraordinaire. Il dit qu'il donne son fruit. Regardez très bien. Hein. Il dit, mais il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau hein, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est quand même extraordinaire, mon frère. Oh, regarde, que Dieu nous aide. Vous savez, nous remercions notre Dieu la manière dont il nous montre les choses. Avec la nature nous instruit, mon frère. Le grand problème, c'est... Regardez très bien, frère. C'est pour ça que vous voyez combien le Seigneur est vraiment touché en moi. Quand il a suscité Luther, ben, c'était la joie de l'Église, effectivement, c'était aussi la joie de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que, en commençant avec Luther, la justification, ceux qui ont été secoués, ce sont les effectivement, mais nous avons la foi, ce n'était pas pour qu'ils puissent arriver à pouvoir s'arrêter dans Luther, mais de continuer en fait d'avancer. Amen. Vous savez, ça veut dire garder les feuilles vertes, effectivement. Vous savez ce que cela veut dire? Son feuillage ne se flétrit point. Quand est-ce que le feuillage se flétrit, en fait? Parce que lorsque l'arbre n'a plus de l'eau sous la racine, et que le soleil frappe, il n'y a rien pour le maintenir, ben il flétrit. C'est qu'il n'y a plus de vie, en fait. Maintenir quelque part, mais il n'y a plus de vie parce qu'il est là. Mais quand il est vert, effectivement, c'est que quelque part, il y a une source qui sort. Ses racines sont quelque part.
La foi toujours dans la parole. Amen. Quand la parole dit, mais maintenant, le Seigneur fait, nous avançons avec lui. Quand nous avons, parce qu'il est le même, hier, éternellement. On est seulement, ah, Luther était, Luther, que Dieu te bénisse. Luther était, non mon frère, maintenant c'est Wesley. Bon, oh, signification, c'est pour ça, la dénomination est la pire des choses. Amen. Ils ont conçu, nous sommes luthériens, on a vu les mouvements pas forcément là. C'est fini. C'est comme les Branhamistes aussi aujourd'hui. William Branham, il a parlé, effectivement, frère, Branham est déjà mort. Le Saint-Esprit continue le travail. Voyons où le Saint-Esprit nous conduit. Ah oui, frère, réveillez-vous pour l'amour de Dieu. Amen. Sur les 7 ans. Parce que la Bible, le Seigneur l'a dit, et il a toujours répété cela à maintes reprises, mais ils n'entendent pas. Ils sont bouchés. Que c'est lui qui a les oreilles. Entends ce que Branham a dit. Non. Amen. Qu'est-ce qui est vrai, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc moi je suis enraciné là. Amen. Puisant la parole de Dieu, Amen. L'Esprit me conduisant. Oui, je le connais le prophète 100%. Amen. Il a prêché, mais le Saint-Esprit me conduisant dans la parole maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand les gens se réfèrent au prophète, ils disent, oui, le Seigneur l'a envoyé comme précurseur à la seconde venue de Christ. Ils n'ont pas bien entendu. Lui-même, il a répété en disant, mais il n'a pas dit que tu seras. Il dit que le message, sera précurseur. Amen. De la seconde venue de Christ. Amen. Oui. On n'écoute pas bien, en fait. Alors, on se fait déjà une image à soi. Alors, nous allons prendre vite. Regardez. Il dit, mais il dit, dans le feuillage, mais c'est flétri pour moi. C'est bien. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Oh, il n'est pas stagnant, non, il avance avec son Dieu. Amen. Mais c'est sûr et certain, mon frère, comme Job l'était tout le temps. Donc, il est en communion avec son Dieu. Parce qu'il ne faut pas les laisser là, dire, hey, comme c'est au temps de l'été, on reste là. Mais le Seigneur avance, mon frère. Amen. Avancez avec lui. Amen. Alléluia. C'est quand nous avançons avec lui que nous faisons exploit. Amen. C'est tellement. Amen. Ils ont resté là-haut. Moïse a dit, mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand Christ est venu, et dès qu'il a avancé, il fait des œuvres avec lui. Amen. Sur un certain temps, on doit. Et puis, j'ai envie de dire, il est bien dit. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Ah, on voit la différence en fait. Amen. Comment cet homme, dont le Seigneur, on passe là, un arbre, effectivement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. C'est-à-dire qu'il n'est pas celui qui s'assied pour entendre des propos sanguinaires. Il n'est pas celui qui est là pour voir et veut battre avec lui. Ah, mon frère est mort, il va blablabla. Non. Cet homme, cette femme se tient pur dans son pensée, dans son cœur, dans son âme, parce qu'il dit, je vais être le vase que Dieu veut utiliser. Il dit, il n'avait pas ainsi de méchants. Que les vents dissipent. Et qui sont comme la paille. Que les vents dissipent. Vous avez remarqué? Regardez. Vous n'avez pas vu que dans les Saintes Écritures, le Seigneur, effectivement, donne, quand tu parles de cela, nous avons vu avec vous, lorsque il parle en réalité du feu et du jugement, parce que ici, il dit. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Amen. Amen. Regardez encore. Ni les pécheurs dans l'assemblée des saints. Juste effectivement. Vous voyez cela? Vous réveillez cela? Amen. Or, dans les Saintes Écritures, dans 1 Pierre 4, il nous a dit, verset 17, que c'est le moment où le jugement va commencer. Va commencer dans la maison de Dieu. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Par quoi est-ce que Dieu va-t-il juger? Mais il nous juge par la parole que nous entendons. Amen. Le juge se sanctifie davantage. Amen. C'est lui qui aime Dieu quand il entend, effectivement, ben, il se sanctifie parce que la parole est une parole pure. Amen. Et cette parole, effectivement, qui est la vérité, elle sanctifie la personne. À ces temps, la vérité, on est sanctifié de plus en plus. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe effectivement avec le méchant parmi nous? On n'est pas les chasser, frère.
Non, 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 non. Lui-même, vous allez voir effectivement que petit à petit, il devient invisible. Oh mon frère, le méchant, celui qui a des pensées uniques, il ne va pas résister. Amen. Parce que la parole de Dieu frappe où soit, il se redresse et s'accroche à la parole. Ou à un certain moment, il va craquer, il va partir. Amen. C'est vrai. Ce qui va se passer, mon frère et ma soeur, c'est ce qui doit se passer. Parce que si toi, tu es Dieu, tu vas sentir le moment de l'esprit te pousser. Tu vas davantage maintenant s'accrocher à la parole de Dieu. Et de plus en plus, effectivement, l'amour de ton frère, l'amour de ta soeur, augmentera davantage. Mais les autres, au lieu que l'amour augmente, effectivement, ils se rétractent. Ils se font victimes. Moi, on m'aime pas. Non, ma soeur. Mais non, frère, on t'aime aussi. Hein, hein? Moi, on m'aime pas. Mais qui t'a dit qu'il ne t'aimait pas? Nous, nous t'aimons. Ah, non, 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 non. Ils sont tous manchés. Je ne l'ai même pas supporté. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Il y a un problème. Amen. Le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes, mon frère. C'est pourquoi, vous savez, comme j'ai dit, les catholiques, dans les catholiques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans les autres églises, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais là où Dieu se trouve, amen. Frère et soeur, là où Dieu se trouve, alléluia. J'aime mon Seigneur, je m'arrête. J'aime mon Seigneur. Amen. Vous avez remarqué comment il a marché avec Judas Iscariote? Il n'a jamais bousculé? Non. Mais simplement, Judas lui-même s'est senti que ici, les choses deviennent très chaudes. Vraiment. Ah oui, il a commencé à trembler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Judas s'élève, dit, mais il va où? Personne n'a chassé Judas. Lui-même. Mon frère et ma soeur, Dieu est le seul qui doit faire la différence. Amen. Alors, toi, en tant que fille, en tant que fils de Dieu, ce que ton père attend de toi, amen, laisse que le fruit se manifeste. Amen. Pour que cela se manifeste, laisse que la semence descende. Amen. Quand le cœur est ouvert, que la semence est en dedans. Alors, comme il dit, la cognée est déjà mise à la racine de tout arbre. Frère et soeur, ne regardez jamais tous les bruits que vous entendez. Oh, nous avons ici c'est 2000 et 15000 chez nous. Ici et cela, frère, tout ça c'est du vent. Amen. 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 Ce qui est important, c'est la personne qui est dans la personne. Amen. Oui. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est ce que toi tu es. Amen. Ne cherche pas à prétendre d'être quelqu'un d'autre. Sois ce que toi tu dois être. Amen. Oh, moi je pense. Oh, non, 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 non. Toi tu es un fils de Dieu. Toi tu es une fille de Dieu. Alors vis comme une fille de Dieu. Amen. Sois simplement une fille de Dieu. Amen. Alors Dieu qui t'a donné cette vie-là, mon frère et ma soeur, c'est pour ça. Comme nous l'avons entendu tout le monde, ma Bible, comme nous l'avons entendu, mais aimer, ce n'est pas compliqué. Amen. Aimer son frère, ce n'est pas compliqué. Amen. Aimer sa soeur, ce n'est pas compliqué. Amen. Ça devient compliqué pour quelqu'un qui ne l'a pas. Alléluia. Parce que toi, ton père t'a donné la chose. Amen. Puisque tu l'as tellement désiré. C'est vrai, frère. C'est pas patrie. Comment? Une chose est que. J'ai dit, nous allons prier tout de suite. J'ai dit, vous pouvez quand même, ne fût-ce qu'en lisant ça, j'ai dit, mais comment est-ce possible? Je me regarde, je me compare avec la parole. Dans ces temps-là, comment ceux-là qui avaient reçu la parole de Dieu réagissaient? Oh, si tu n'es pas monté, si c'est là, je n'ai pas moi où, je ne sais pas, à 107 montées. Là-bas, tu n'as pas été là-bas où tu n'as pas touché les chapeaux du prophète, que tu n'as pas, tu ne seras jamais enlevé. Et tu n'as pas cru aussi au tonnerre. Et bien ainsi, c'est quand tu as version, tu dois compter toute version, effectivement, tu ne seras pas enlevé non plus. Il dit, mais alors, posez-vous un peu la question. Tous nos frères et nos sœurs là, qui dans les temps ont vécu avec Paul, quels sont les tonnerres qu'ils ont pris? À quelle montagne sont-ils montés, non, que Dieu nous aide? À quelle montagne sont-ils montés, effectivement, pour dire que maintenant nous sommes prêts? Il n'écoute jamais rien de Dieu. Amen. Le prophète de Dieu, que Dieu le bénisse richement. Amen. Le prophète parle clairement et dit, mais quand j'étais de l'autre côté du rideau, on m'a posé la question, effectivement, il me dit, mais vous venez, non? Amen. On a dit, mais tu seras jugé sous la base que tu as prêché aux gens. Il m'a dit, oh, mais moi j'ai prêché, je sais que je vais rentrer. Il dit, mais est-ce que Pierre sera jugé? Est-ce que Paul s'est réjugé? Il dit oui, Paul s'est réjugé. Il dit ah, gloire à Dieu. Amen. Si tous ceux qui ont cru à ce que Paul a prêché vont entrer,
le mien aussi entieront. Pourquoi je me suis dit, mais parce que moi ici, j'ai prêché comme Branham a prêché. Non, j'ai prêché comme Paul a prêché. Nous avons ce que Paul a prêché ici. Amen. Et William Branham avait le même esprit que Paul avait. Amen. Donc c'est le même esprit. Toi aussi, ma soeur, tu dois l'avoir. Toi, mon frère, tu dois l'avoir. Alléluia. Amen. Et si nous croyons comme Paul a cru, Amen. Ah, gloire à Dieu. Lève-nous. Amen. Amen. Amen.